à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo scrap. Alors je vais vous présenter ma nouvelle création, un flip tag. Je suis à fond dans les flip tags. Alors je suis aussi à fond dans les junk, hein. Vous savez que j'envoie régulièrement des petites junk. Mais là j'ai craqué sur les flip tags à cause de Delphine. Donc c'est toujours à cause de quelqu'un, hein. C'est jamais ma faute. En fait elle m'avait montré des petites choses sur Etsy. Je vous avais dit que j'avais craqué sur pas mal de choses. Et là je me suis imprimé un flip tag. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Alors moi je l'ai refait à ma façon après parce que je voulais vraiment faire sur le thème Galaxy. Et sur le thème Galaxy il n'y avait pas de flip tag, il y avait des junk journal. Alors après, à savoir que vous pouvez prendre du papier. Alors là j'ai pris du papier action, hein, je vous en parlerai après. Mais vous pouvez prendre du papier pour junk journal et vous pouvez faire votre flip tag. Mais bon, ça c'est juste une question de thème et d'envie du moment. Et là c'était vraiment le thème Galaxy. Je vais faire un junk aussi comme ça je pense. Alors dites-moi dans les commentaires, surtout celles encore à qui je dois les envois, celles qui aiment ce thème là. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc celui-ci je l'ai acheté sur Etsy à 3,46€, mais il était en promo. Là il est plus en promo. Quand je l'ai acheté il me semble que c'était 2,67€, un truc comme ça, donc rien du tout, hein. Franchement c'est, voilà, vous avez quand même pas mal de pages d'éphéméra. Et moi ce que j'ai fait, je les ai découpés en fait. Donc j'ai découpé, je vais vous les présenter, hein. J'ai découpé tous les éphéméras et j'ai repris certains, voilà, certains motifs, certains tags, mais pas tous, parce que bon bah ça c'est plus shabby, hein, le thème est plus shabby, et donc le thème Galaxy ça le faisait pas. Donc voilà, donc ça tout est découpé en fait, et là je vous le présente comme je l'ai imprimé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Etsy, c'est un site, vous allez dessus, il y a des choses bien sûr où vous pouvez acheter du concret, du matériel que vous recevez à la maison, mais à savoir que les frais, enfin moi pour l'instant je me suis rien commandé que je peux recevoir à la maison parce que je trouve que les frais de port sont énormes. Après bon, peut-être que j'étais pas dans les bonnes boutiques, mais voilà. Et ça c'est en fait des choses que vous pouvez imprimer, donc que vous recevez tout de suite. Alors il faut avoir une bonne imprimante, hein. Voilà, moi j'ai une imprimante toute simple, hein, 50€ que j'avais commandé sur Amazon. Donc par contre là j'en ai recommandé une et elle allait pas du tout. Donc je l'ai re-renvoyée parce que c'était une catastrophe, elle imprimait pas, elle était très très lente. Et là je vais m'en reprendre une au cas où elle tombe en panne celle-là, parce que voilà, sans imprimante c'est pas possible. Donc vous avez des codes que vous, alors, vous payez, hein, avec votre carte bancaire. Vous avez des codes que vous rentrez, vous les recevez en fichier numérique, vous les imprimez et puis ben après vous avez votre papier à vie en fait, hein. Alors c'est vrai, vous allez me dire on peut acheter du papier comme ça, hein, chez Action ou sur Amazon. Moi c'est celui-là, hein. Je me suis servi de celui-là, donc ça c'est du papier Action. Oui, si on en a, bon, à savoir que le bloc maintenant il a quand même augmenté, hein. Il est entre 3 et 4€. Et puis bon, après pour le photocopier c'est un peu compliqué parce que c'est du 30-30, donc ça rentre pas dans la photocopieuse, vous allez avoir un morceau un peu noir comme ça, ça fait pas très joli, tandis que là toutes les dimensions sont faites pour une feuille A4. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors j'ai aucun partenariat, rien du tout, hein. C'est de moi-même que voilà, mais par respect pour l'illustrateur, enfin pour celui qui fait les flip tags. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse bien sûr. Donc ça c'est un fichier de 3 pages parce qu'il y a cette petite page là qui s'imprime avec, j'ai pas trouvé le moyen de pas l'imprimer, donc voilà. Et je les ai imprimés sur du papier DCP. Donc c'est celui-ci, je vais vous le montrer parce que beaucoup aussi ne le connaissent pas. Donc celui-ci, je le commande sur Amazon, c'est du papier Clairefontaine. Il est aussi top pour les coloriages, sur Etsy il y a aussi, hein, des coloriages à imprimer. Et donc vous avez 125 pages et c'est du 250 grammes. Alors 250 grammes, c'est hyper épais. En fait ça ressemble un peu à du carton et ce qui est cool c'est que en fait c'est tout lisse, tout, alors le blanc ça floute toujours sur la caméra, je vais l'enlever, mais c'est tout lisse, c'est vraiment très très agréable à colorier, ou alors si vous faites plus de scrap voilà, à mettre de l'aquarelle dessus et tout, franchement c'est vraiment le papier que j'utilise tout le temps en ce moment. Donc les 125 feuilles 250 grammes je les paye 8,27€ actuellement, donc je pense qu'en leur faisant la pub ils vont augmenter le produit. Hein, on connaît ça, mais c'est vrai que voilà, moi je trouve que ça vaut le coup, quoi, hein. C'est, les 125 feuilles j'ai quand même du mal à les utiliser, allez, je fais facile en imprimant beaucoup de choses, facile 2 mois.
Voilà. Et je fais encore des découpes dedans, parce que les découpes, c'est idéal pour les faire. Le papier est bien cartonné, il jaunit pas, enfin voilà, moi c'est le top. Donc, on revient au flip tag. Après, je vous montrerai, parce que vous avez vu passer des petites choses d'Halloween, je vous montrerai ce que je me suis commandé sur Etsy. Donc voilà. Donc ça, c'était un lot de 3, donc tout dans le même kit, hein, qui était à 2,67€. Alors, une petite astuce pour Etsy, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais bon, si voilà, si vous n'avez pas regardé, mettez-les en favori, et souvent, après, ils sont en promotion. Donc, attendez la promo, voilà, ça peut toujours vous faire économiser 2, 3, enfin, des fois, sur un kit, bah, le kit Halloween, là, j'ai économisé 6€ quand même, hein. Donc ça c'était la première feuille, la deuxième feuille avec des tags et la troisième feuille avec des rondes et voilà. Alors après pour remplacer tout ça, ce que vous pouvez faire si vous ne voulez pas acheter de kit, hein, si vous voulez, voilà, vu que vous voyez les vidéos, vous voyez un peu ce qu'on met dans les flip tags, vous pouvez bien sûr mettre des grosses découpes. Donc toutes les découpes que j'ai achetées sur Amazon, je vous les mets en lien en barre d'infos, hein, ça sera plus simple pour vous. Et il y a des autres que j'ai achetées, par exemple celle-là, je l'ai achetée chez Action. Alors je sais pas s'ils sont encore, alors ça dépend des Actions, vous allez me dire, mais voilà, celle-là aussi c'était pareil, je l'avais achetée chez Action. Le nuage, je l'avais acheté sur Amazon, et les tags comme ça, je les avais achetés chez Action. Ça c'était ma copine d'Aligon qui me les avait envoyés, il me semble, hein, si je me trompe pas. Ça c'était chez Action et ça fait des très jolies choses. Ça fait, je vais vous montrer, voilà, ça fait ça. Je trouve que ça fait vraiment pas mal. Celui-ci, alors celui-ci c'était ma copine Love Créa Laurence qui me l'avait offert et il est juste magnifique parce que je les mets dans mes junk à chaque fois. Je l'utilise pour tout, vraiment pour tout. Il est franchement, voilà, c'est une très très bonne qualité parce que c'est une marque, c'est Tim Holtz, et il est sur Amazon à 8€ et quelques, donc je trouve que c'est pas trop trop cher parce que bon voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire avec. Bah, ça je vous le présente après, j'étais déjà en train de vous montrer, voilà. Donc bah, en barre d'infos en fait vous aurez juste celui-ci et celui-là, le flip ta, le flash tag, je sais pas si je vous le trouverai, ou sinon bah, vous tapez, mais il n'y est pas tout le temps sur Amazon, voilà, c'est ça le souci. Donc après j'ai imprimé, ah oui j'avais une étoile aussi, celle-là c'est pareil, c'était chez Action, vous savez, il y en avait plusieurs, du plus petit à la plus grande, enfin de la plus petite à la plus grande, pardon. Donc là pareil, plein de tags, plein de petits éphéméras comme ça, donc ça c'est pas mal, vous pouvez rajouter dessus. Ils ont fait une vidéo, la marque, donc la marque c'est My Porsche Prints, et ça là vous voyez rien, voilà, il y a toujours la marque dessus. Ils ont fait une vidéo et ils vous montrent un peu comment ils les ont placés, ils vous montrent comment ils les ont superposés, donc si ça vous intéresse, j'ai vu c'est sur YouTube aussi, donc voilà. Donc après vous avez d'autres, les papillons c'est très très intéressant parce que c'est pas les découpes qu'on a, et donc quand vous les superposez, je trouvais, enfin vous allez voir sur le flip tag que j'ai fait, je trouve qu'ils sont ils sont intéressantes, et les fleurs pareil, parce que en fait bah, après vous découpez puis après vous récupérez à chaque fois, hein, si vous voulez pas imprimer aussi, si vous voulez faire sur d'autres papiers comme du papier de chez Action ou du papier bah, de Amazon. En parlant de papier, je vais vous montrer, j'ai eu une petite promo là, c'est juste pour que vous en profitez si jamais ça vous intéresse. Donc c'est du papier 20,3 sur 20,3 Stamperia. Le bloc il est juste magnifique, je vous le montre en vitesse, et je l'ai eu en promo sur Amazon, pareil je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'ai eu pour 6€. Donc pareil, bon après voilà, je vais pas le racheter mais je vais faire des photocopies sur ce papier là, je peux vous dire que ça donne super bien. Et bon alors il y a moi je prends, en fait quand je fais la photocopie sur ça, je prends la moitié de là et après je récupère l'autre moitié pour faire, pour scraper en fait, hein. Comme ça je les ai déjà fait, hein. J'en ai déjà fait, voilà. Et le papier bah, il est juste magnifique, enfin je trouve que on peut faire plein de choses avec des junk, des art journal, ça peut donner aussi des idées. Bon bah là les flip tags, hein, vu que je suis à fond dedans,
voilà, ça peut donner des très très bonnes idées. Pour 6 euros, je me suis dit, bon, allez, on va tenter. Donc, vous savez, hein, je guette toujours les promos. Je tape toujours feuilles, papier. Et puis, bah, là, je suis tombée sur ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais en vrai, franchement, il est beaucoup plus beau. Alors, je l'avais vu, voilà, comme ça sur Amazon. J'étais... Bon, le prix m'avait tenté, mais quand je l'ai ouvert, je me suis dit, voilà, j'ai eu rien à regretter parce qu'il est juste sublime. Voilà, voilà. Donc, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, on en revient au flip tag. Donc, ces découpes-là, ben, au début, je me suis dit, bof, j'ai une machine à découpe, j'ai des découpes. Mais non, ça donne encore autrement et je trouve que c'est vraiment bien construit, bien fait. Pour ceux qui aiment le thème shabby, vous voyez, il y a franchement, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Donc, après, celle-là, je vous l'ai présentée. Là, on a une petite enveloppe. Alors, celle-là, je l'ai découpée. Et ben, franchement, elle est top aussi. Je vais vous la montrer. Bon, découpée, ça donne pas pareil. Hein. C'est pour ça que je voulais quand même vous la réimprimer. Puis, de toute façon, voilà, ça va me servir. Ou ça va vous servir. Voilà, donc, c'est une petite enveloppe comme ça, qu'on plie. Et après, ben, j'ai récupéré encore la forme sur le Flip Tag Galaxy. Voilà, voilà. Après ben, vous avez des ronds comme ça, alors pareil vous pouvez faire la machine à découpe ou alors vous pouvez découper, moi j'ai découpé autour, hein, je me suis pas embêtée, un espèce de petit livre comme ça, ça je ne sais pas, je m'en suis pas servie, je sais pas c'est pour, enfin voilà, je pense que c'est pour mettre du fil autour ou, enfin vous me direz en commentaire si vous savez à quoi ça sert, mais moi je, voilà, je sais pas. je vais pas vous dire des bêtises, hein. Et là vous avez des feuilles toutes simples, donc ça c'est un autre fichier, donc elle m'a envoyé 3 fichiers et dans les 3 fichiers il y avait à chaque fois 3 pages où là il y en avait 5. Donc celle-là c'est une page toute basique, hein, mais voilà on peut faire pas mal de choses. Ça aussi, donc là c'est plus pour faire des découpes ou pour reprendre les découpes que je vous ai présentées. Voilà, donc celles qui aiment le shabby là, franchement voilà, elles vont être gâtées. Hein. Et voilà l'autre petite feuille. Donc ça c'était pour le kit que j'ai acheté et je me suis inspirée de ce kit, bon pas totalement mais je me suis inspirée une grande partie de ce kit pour faire mon flip tag personnel au thème Galaxy. Donc on commence, alors on commence par le petit éphéméra là, le petit tag, donc pareil la découpe, hein, je vous ai expliqué tout à l'heure c'était les découpes de chez Action. Sur la découpe là j'ai collé donc la découpe Team Halls. Et j'ai glissé des petites découpes, donc j'ai fait des petites découpes cœur, j'ai fait une découpe pancarte comme ça. Donc ça c'est génial parce que la personne qui va le recevoir, elle pourra mettre des petites choses dessus, elle pourra s'en servir dans son art journal ou dans un junk. Des petits tags, alors les petits tags, comme vous savez que je suis une grande radine, en fait... j'avais plusieurs voilà, j'avais plusieurs blocs comme ça et ici pour pas perdre en fait le papier, ce que j'ai fait des découpes dedans et j'ai récupéré tout ce papier, donc vous allez voir plusieurs choses qui ont été découpées dedans. Donc voilà, ça c'est une petite découpe qui fait partie de cette découpe Team Halls et normalement on la met là, mais moi j'avais acheté une boîte d'aquarelle, donc je vous en ai parlé dans la vidéo coloriage, c'est celle-ci. Qui est juste magnifique, donc je m'en suis servie pour ce flip tag, hein, bien sûr. Et cette boîte d'aquarelle, elle est mais juste magnifique parce qu'il y a des couleurs métallisées et tout. Alors je vous l'avais, enfin je vous la remettrai en barre d'infos. J'avais dit qu'elle était à 16 euros parce que moi je l'ai eu à 16 euros et entre temps que j'ai mis le lien et que la vidéo a été mise en route, en fait elle est montée à 19 euros. Donc je ne sais pas à quel prix vous allez la trouver, mais moi perso je l'ai payé 16 et il y a 72 godets. Donc pareil, en scrap on s'en sert beaucoup, hein, franchement ça fait des couleurs, mais alors je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo colo, je vous ferai un nuancier avec, mais très très pigmenté, et pour le prix je trouvais que ça valait la peine. Donc elle était emballée dans un petit carton, et le carton je l'ai récupéré, et vous voyez je l'ai coupé, et je l'ai mis là-dessus. Ouais, en scrap on récupère tout, et comme c'était le thème Galaxy, ça allait très très bien avec, donc voilà, il faut récupérer vraiment tout 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 en scrap. Hein. Donc là de l'autre côté, ben, la personne elle pourra écrire ce qu'elle veut. Là j'ai mis un petit bout de tulle, juste magnifique, à paillettes, vous savez que moi les tulles à paillettes j'adore, voilà c'est juste topissime. Ça, donc là je l'ai, enfin ça c'est mon ami Roger qui me l'avait offert, j'en ai encore hein, de chez Action, mais comme je m'en sers tout le temps ça part très très vite, et je l'ai acheté chez Action, mais par contre il y en a aussi sur Amazon qui est aussi des fois au même prix, il faut voir, hein. Bah, vous savez que Amazon c'est la bourse, mais certaines fois c'est au même prix, donc si j'en trouve du pas trop cher je vous le mettrai en barre d'infos, si vous voyez qu'il n'y est pas c'est que voilà il était trop cher au moment où j'ai glissé les liens. Là c'est bah, une découpe
en rond. Ça, c'est un tag que j'ai repris sur le flip tag Shabby. La petite enveloppe, c'est l'enveloppe que je vous ai présentée, hein, voilà. Et dedans, donc moi j'ai glissé des petites choses, donc je ne le montre pas parce que la personne qui va le recevoir comme ça, elle aura quand même des petites surprises. Oh, allez, allez. Parce que là vous êtes en train de dire oui, mais bon, on veut voir. En fait, c'est des petits. J'avais acheté sur AliExpress une des peu de choses que j'ai reçues parce que franchement, je ne commande plus, je reçois rien. C'est une catastrophe. En fait, c'était des petits autocollants comme ça au thème Galaxy. Et je trouvais que ça allait bien dedans. Alors j'en ai collé un ou deux, mais après la personne elle pourra en recoller si elle veut. Derrière, ben, elle peut écrire des choses. Là c'est pareil, c'est la découpe que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc pareil, elle peut écrire devant, derrière, elle peut recoller des choses. Là je lui ai glissé de la dentelle que ma belle-mère nous a fait. Une petite fleur avec une petite attache parisienne en forme d'étoile. Hein, ça allait bien donc sur le flash tag. Puis ça allait bien avec le thème, je trouvais. Là c'est pareil, c'est des tags où la personne elle pourra écrire. L'anneau, vous allez me dire où c'est que tu as trouvé l'anneau. Donc ça c'est sur Amazon, vous en avez de toutes les tailles. Pour celles qui commencent, moi je trouve que c'est génial parce qu'en fait vous pouvez faire du plus petit au plus grand, j'en ai d'autres, mais voilà, là j'ai que les deux là sous la main. Je vous mettrai peut-être une moyenne, voilà, en barre d'infos. Elles sont pas très très chères, vous pouvez faire des albums, vous pouvez faire ben, des flip tags. Et pour celles qui commencent le scrap, je trouve que ça découragera moins que d'attaquer tout de suite sur un junk avec des reliures, avec il faut coudre, hein, il faut prendre un fil, une aiguille. Et je trouve que ça, vous pouvez même construire des junks avec, ou des albums, hein, tout simplement, ou des flip tags, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal comme système. Donc après j'ai mis une petite étoile, les découpes de chez Action, voilà, et ces fameux papillons dont je vous ai parlé qui sont juste topissimes. Donc moi j'ai fait un dégradé de trois différentes couleurs, hein. Mais après ben voilà, si vous choisissez un autre thème, alors bien sûr vous vous doutez bien que je vais en faire un sur le thème Halloween. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous savez quand je dis n'hésitez pas à me mettre en commentaire, c'est qu'il y a toujours quelque chose, voilà, si vous aimez, enfin quel thème vous aimez le plus, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir en flip tag, Halloween, Shabby, enfin voilà, votre thème préféré en fait, hein. Donc pareil, un flash tag avec du washi. Alors j'avais du washi de chez Action, thème Galaxy, donc juste top, hein. Ça c'était une copine, mais je ne sais plus qui me l'avait envoyé. C'est un carnet, il est juste magnifique. Bien sûr j'ai fait des photocopies avant de couper dedans. Donc là la personne elle recevra pas les photocopies parce que il y a le foil, et sur les photocopies le foil ne ressort pas comme ça, mais voilà, il est juste magnifique ce petit carnet là. Donc ça c'était le carnet sirène je crois, mais bon ça passe dans le, je trouve que ça passe très très bien dans le thème Galaxy, hein. Voilà, donc pareil, elle pourra écrire devant, derrière. Ça c'est une petite carte que j'ai eue dans un nouveau carnet de chez Action. Donc je l'ai découpé avec, en fait j'ai découpé avec le ciseau, j'ai pris le modèle du flip tag et j'ai découpé autour. Ça c'est tous des modèles que j'ai découpés autour des flip tags que j'ai reçus de chez Etsy. Et là ben, j'ai mis un petit tampon de chez Action, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous pouvez écrire, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. J'en ai mis deux comme ça, un grand, un petit. Encore une fois, le papier du carnet sirène, un tag. Là j'ai fait, ah oui, il fallait quand même que je sorte mes perforatrices Stampin' Up. Donc j'ai mis des petites marguerites Stampin' Up. Et là, ben, voilà les découpes de chez Action. Là, ben, j'ai mis une petite découpe que j'avais, je sais plus, je crois que c'était Action aussi. Donc pareil, il me restait un bout de washi que j'avais cassé. Donc je l'ai mis dessus pour ne rien perdre. Et là, la personne pourra écrire ou coller ce qu'elle veut. Encore un petit bout de tulle, donc ce coup-ci c'est un bout de tulle doré. Voilà, mais avec le, en fait avec les couleurs Galaxy, ça ressort la même couleur, hein, en fait. Voilà, là j'ai fait une petite pochette et j'ai mis la petite découpe nuage que j'ai découpée dans de la tapisserie toute pailletée. Mais là, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Donc j'adore cette découpe-là, je l'adore, elle est juste magnifique. Et là, c'est une petite pochette donc, que j'ai rajoutée dessus. Et là, on revient... Ah non, 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 ça c'est un autre.
Non, non, c'est un autre, parce que je vois là, derrière. Donc pareil, j'ai remis la découpe Tim Halls. Ici, j'ai mis un marque-page que j'ai découpé sur la couverture du bloc 30-30 de chez Action. J'ai mis une petite enveloppe comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est une découpe, c'est un dice que j'ai. Et là, plein de petits tags. Donc la personne, elle peut s'en servir en marque-page. Voilà, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Et au moins, ça fait récupérer le papier de chez Action. Alors derrière, c'est pas très très beau, hein, parce que c'est du carton, mais... voilà, au moins on récupère et on jette pas, parce que c'est vrai que on paye, hein, donc voilà. Et après, j'ai mis une petite enveloppe comme ça avec une petite pince. Alors ça, j'en ai plein. C'était une abonnée qui m'en avait offert et j'en avais racheté parce que je trouvais, alors c'est pas pour mettre dans mes cheveux, hein, mais je trouve que dans les créas, ça fait juste magnifique. Donc je les avais achetés, j'en avais trouvé chez Zeman, mais je pense, enfin je sais pas où vous pouvez les trouver. Je sais pas si sur Amazon il y en a, je regarde chez Claire's peut-être, je sais pas. Donc là, j'ai fait une petite pochette que j'ai récupérée d'une découpe. Après, vous allez me dire, c'est tout simple à faire, hein, mais j'ai récupéré d'une découpe que j'avais commandée sur Etsy. Donc ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, parce que là, sinon la vidéo va durer des plombes. Et là, j'ai fait des découpes cœur, voilà. Donc que j'ai glissé dedans. Après, bon, la personne, elle peut remettre ce qu'elle veut, hein. Et là, vous voyez, j'ai mis le petit autocollant. Que j'ai mis dans la, en fait, dans l'enveloppe. J'ai pris une feuille translucente, c'est comme ça qu'on dit, que mon ami Roger m'avait envoyée, mais j'en avais acheté aussi au Aldi, il y en avait. C'est pas donné, mais franchement, elles sont géniales, ces feuilles-là. Et j'ai mis le tampon Stampin' Up avec, en fait, il me semble que c'est un tampon Stampin' Up, je sais plus. Enfin, c'était un tampon, hein, que j'avais acheté. Et j'ai mis ça avec un pad d'encre Stayzon. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avec la mémento et tout ça, ça glisse et ça fait, voilà. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça part pas. Donc ça, pareil, je vous mettrai en barre d'infos la Stayzon, parce que beaucoup me demandent avec quoi je... qu'est-ce que je tamponne, en fait, quelle encre je mets sur du papier calque. Et là, le papier translucent, c'est comme du papier calque, hein, en fait. Alors après ça, j'ai imprimé sur internet. En fait, j'ai tapé sur Google papier Galaxy, j'ai imprimé et là j'ai fait de l'embossage à chaud. Donc j'ai mis un petit tampon, j'ai mis la poudre, j'ai chauffé et puis ça donne ça. Et je trouve que ça fait très joli, donc la personne elle pourra écrire ce qu'elle veut. Voilà. Et là maintenant c'est terminé. Donc j'ai mis deux petits. Après vous pourrez décorer vraiment comme vous voulez. Moi c'est juste une idée, hein, pour vous montrer. Donc j'ai mis deux petits rubans que j'avais comme ça. Je l'ai mis là comme ça. Du coup ça bloque. Puis voilà. Mais après vous pouvez mettre des perles, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'avais pas trop envie de charger non plus. Je trouve qu'il est assez chargé. Après ça sert à rien d'abîmer. Et voilà, je pense que la personne comme ça elle pourra l'utiliser plus facilement. Voilà, voilà. Je vous montre juste la palette où je l'ai utilisée. Donc il faut que je... voilà, c'est là. C'est sur ce papier là en fait. Donc ça c'est le dos du boîtier de la palette. Et derrière en fait j'ai utilisé l'aquarelle. Donc ça c'est toute l'aquarelle que j'ai fait moi-même. Bon, sur la vidéo ça ressort pas si bien que ça, mais en vrai franchement il y a plein de petites paillettes, c'est juste magnifique. Et on peut la travailler vraiment sur beaucoup beaucoup de supports différents. Là vous voyez c'est carrément du carton et ça a super bien pris, ça a séché très très vite, hein. Voilà pour le flip tag. Alors avant de finir, je vous montre juste ce que j'ai imprimé de Etsy. C'est pour faire un junk journal Halloween, thème Halloween, hein, vous savez qu'on est bientôt Halloween. Donc voilà, ça je l'avais acheté en promo. Donc au lieu de 11 €, je l'ai eu à 5 € et quelques. Et je trouve qu'il est juste magnifique. Par contre là, je l'ai imprimé sur des feuilles toutes simples, c'était déjà pour essayer. Et je vous avoue que le junk, je vais pas trop le charger de feuilles DCP. Je vais en mettre quelques-unes DCP, quelques-unes normales. Enfin, je sais pas encore comment que je vais faire. Bon là, je voulais déjà l'imprimer pour voir ce que ça donne. Mais parce que vous savez... quand on l'a en numérique, des fois on a des petites surprises et là franchement je suis super contente. Donc c'est juste pour vous le présenter, hein, en fait, voilà, c'est juste pour que vous voyez ce que ça donne. Mais en tout cas je trouve qu'il est magnifique. Alors si je retrouve, je vous mets le lien en barre d'infos, je vais essayer de le retrouver, hein. Normalement il est dans mes achats donc il n'y aura pas de problème. Mais ouais, franchement il est juste topissime. Après j'ai acheté aussi des éphéméras Halloween, tout ça, mais ça j'en ferai une autre vidéo parce que là déjà la vidéo a duré très très longtemps, plus longtemps que je ne le pensais. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon scrap, hein, et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de commenter la vidéo.